Ah bah bravo, bravo. Moi, pendant que je suis en train de me dire que le 1er janvier, tous les joueurs du TFC, ils se sont souhaités une très bonne année, qu'est-ce que j'apprends? Et voilà, les fêtes sont finies. Ça a été avec le tonton Bernard. On est le 24, il est 18h30, on n'a pas encore attaqué l'apéro que lui, il est déjà à son 5ème diplomatico. Eh, vous connaissez la blague des deux putes à Jean Carat? Oui, tonton, on la connaît, oui. Puis là, t'es pas crédible en Père Noël pour les gosses. Oui, bah va mettre un slip. Bah déjà que t'as pas de pantalon. Ouais, mais là on voit que la guirlande. Oh, et les cadeaux. Bah moi j'ai un gamin de 1 an. Bah c'est officiel, je vis chez lui. Oh bah entre les bagnoles, les boîtes de Lego et les coquilles d'huîtres. Et ceci la reprise du boulot et des bouchons. On a retrouvé Jean-Luc de la compta, avec son haleine qui est restée en 2019, elle. Et puis les bonnes résolutions en janvier. Le mois sans alcool. Moi je vais plutôt le faire en février. Hein. Y a que 28 jours. Et s'ils ont besoin d'un nouvel entraîneur au TFC, je peux le faire. Hein. Ok les gars. Bah déjà, courez. Hein, les buts, c'est des trucs comme ça. Oui, mais dans l'autre sens. En tout cas, 2020, bah, c'est l'année des copains. Alors soyons unis, tous ensemble. Toulousains, Tarnais, Ariégeois, Lotois, Audois, Aveyronnais. Tous unis, tous ensemble, contre ces putains de bordels. Hein? C'est gratuit? Ah oui, c'est gratuit, oui. Et tous mes copains Ariégeois se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2014. Ah bah, ils ont toujours un peu de retard. Hein? C'est gratuit? Ah oui, c'est gratuit, oui. Bonne année. Bonne année, bonne chance, bonne année.